rentrer. Tiens, Maxence, quelle surprise. On passait par là, alors on s'est dit qu'on allait en profiter. Bonjour. Bonjour. Oh bah dis donc, lui, je l'avais pas vu il y a 15 jours. Eh oui, ça pousse. Tiens. Comment ça va, toi? Mais écoute, on fait avec. On a beau savoir que ça va arriver. Et toi? Ça va. Pareil, hein. Mais je me dis que c'était une belle cérémonie. Oui, c'est vrai. J'ai vu ta mère l'autre jour, mais j'ai pas eu le temps de lui parler. Non, je disais, bon, c'est pas tout ça, mais... C'est pas tout ça? C'est pas tout ça. Bon, je vais aller me prendre un verre d'eau. Ça me permettra de jeter un coup d'œil. Mais je vous laisse parler comme ça. Vous connaissez le sexe du bébé? Non, on veut pas savoir. Enfin, Isa veut pas savoir, alors on veut pas savoir. C'est pas porteur, ça, si? Pardon? Ce mur-là, c'est pas un porteur? Je sais pas. Je me suis pas renseignée sur la question. Bon, bah, Patricia. Enfin, Pat, comme j'aimais t'appeler quand j'étais petit. J'imagine que... Enfin, je... Y a pas de surprise, quoi. Hein. Je comprends pas bien de quoi tu parles. Non, t'es pas clair. Non, je suis pas clair. Ouais, ce qu'on disait, c'est que bah, entre le décès de papa et la naissance de bah, Isabelle et moi, on commence un petit peu à réfléchir au, à la suite, au futur, quoi, au déroulement des événements. Et on se disait que bah, maintenant qu'on est trois, enfin presque, la famille s'agrandit, donc on commence un petit peu à réfléchir. Et à abrège, Max, abrège. On veut récupérer la maison. Voilà. Comme ça, c'est dit. Mais je vous adore, Isabelle. Vous êtes d'une délicatesse merveilleuse. C'est classe. Hein. Vraiment classe. Je peux te parler, Maxence? Sans que ta femme intervienne? Oui. Sans que ma femme intervienne, oui, bien sûr. Cette maison ne m'appartient pas. Je le sais. Ça a toujours été très clair. Je suis juste un peu surprise par le timing. Le timing, oui. Oui, non, bien sûr. Combien de temps? Dans combien de temps? Combien de temps? Bah, c'est-à-dire qu'on s'était dit que peut-être on pourrait calculer en fonction de... Dis-moi, Maxence. Ou plus vite. Quelques mois. Au minimum, on a un préavis de 3 mois, quand même. Eh ben voilà, 3 mois, c'est très bien. Et 3 mois, c'est très bien. Ce qui nous mène à... Ce qui nous mène à... Quel calcul? Calcul. Noël, donc. Noël? Octobre, novembre, décembre, avant Noël. Avant Noël. Joyeux Noël. Au revoir. Hein? J'ai dit au revoir. Allez, on y va, mon petit chat. Non, encore rien réglé, là. Isabelle? Vous vous taisez et vous dégagez. Oh, ben ça y est. Patricia, je vous rappelle que vous n'êtes pas chez vous ici. Vous êtes chez Maxence et donc chez moi. Et je ne vous permets pas de me parler sur ce ton dans ma maison. C'est ça, d'accord. Au revoir. Non, mais vous avez de la chance qu'on fasse ça à l'amiable. On pourrait appeler les huissiers aussi. Lâche-moi, toi. Eh ben, merci, Pat.